Cet après-midi, j'ai réfléchi à une idée. Tu vois la piscine? Oui. T'es chaud, on la vide. On m'appelle Uncharted l'ingénieur. Là, il y a de l'eau, tu vois ce que je veux dire, ma mère? Là, il y a moins d'eau. J'ai envie de vider cette piscine entièrement. J'ai besoin de coéquipiers. Salut Brice, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vidé la piscine d'eau. Il est con celui-là, quoi? Excusez-moi, je stresse un peu parce que ça fait 2 jours que je bosse sur le projet. Alors, ça marchera pas, ça marche. Chut! Et! C'est ça, regardez, c'est une poubelle. Il y a au moins 3000 litres d'eau dans la piscine. 3000 litres, et alors on vide avec nos bras? Vous voyez ce truc blanc là? C'est un truc qui fait sortir l'eau. Le problème c'est que nous, quand on va vider l'eau de la piscine, il faut pas qu'elle se remplisse. Donc on va devoir bloquer les sorties blancs comme ça qui est au fond de la piscine pour que ça remplisse plus jamais la piscine, ok? Pour ceci, on prend une poubelle et on pose la poubelle sur la sortie d'eau comme ça. Brice, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir sur la poubelle avec ton gros cul. Allez, viens. C'est ça ma vie, je dois m'asseoir sur une poubelle pendant 8 heures, le temps que quelqu'un vide la piscine. Ceci est réalisé par des professionnels, ne refaites pas ça chez vous. Et sur ce, deuxième poubelle. Pour le deuxième trou qui fait sortir l'eau, ma gueule. Voilà. On va mettre du poids dessus, il faut encore plus de poids. On va prendre des assiettes et un bocal. Mais... faire poids sur la sortie d'eau. T'es écrit sur Koh-Lanta? Pas besoin de personne qui s'assoit. Il y a déjà le poids qui est dessus. Maintenant, ce qui se passe, c'est grâce à cette magnifique poubelle, je prends l'eau et je vide la piscine. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Combien de temps ça va nous prendre? J'en ai aucune idée. J'ai bossé toute l'après-midi pour trouver une technique. Bon, écoute, frérot, mon frérot, matin, t'as toujours. Voilà, allez. L'important c'est quand vous videz une piscine, il faut bien vider à l'extérieur de la piscine, quoi. Et là tu fais plus c'est pas l'extérieur de la piscine cet endroit, tu vois. Ça c'était sur moi, ça m'a ouais, tu vois. Donc faut pas le refaire, parce que si tu le refais plein de fois, ben après lui ça prend plein la gueule, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que les tasses vont dessus, ils vont commencer à se prendre de l'eau dans la gueule. Là je sais pas si vous remarquez, l'eau ne passe plus au-dessus là, ça fonctionne. Ça fonctionne maintenant. Les gars, je vais exploser le trou au sol. Les gars, j'ai trouvé des seaux. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est les toilettes des chiottes. Allez. On est en train de foutre de l'eau de partout, regardez. Là, le problème, c'est que là, il y avait le premier, il est rempli. Ça arrive au deuxième et même le deuxième, il est rempli. Là, ça sort à l'extérieur. Regardez comme l'eau, elle est descendue. Wouah, truc de baiser. Ça avance un truc de ouf ce qu'on est en train de faire. Le truc c'est ultra compliqué parce qu'on peut pas s'arrêter. Tu vois là il est assis sur le tuyau qui ramène de l'eau. Sauf qu'il y a quand même de l'eau qui passe en dessous. On en sort, mais si on s'arrête, l'eau continuera à monter. C'est pareil pour celui du milieu, sauf que si on a mis du poids comme ça Brice, il est assez libre. On a un petit problème, c'est que là, vous voyez, l'eau est à la limite de descendre à l'étage d'en dessous en fait. Heureusement qu'il y a les carreaux. Allez les gars, allez, let's go. De la piscine ça va à ce premier étage. Et au cas où si ça dépasse, ça va ici. Regardez l'eau. Wow. Comment vont tes bras? Je ne sais pas. Si vous êtes nouveau à la chaîne, pensez à l'abonnement les gars. Explosez-moi cette barre de pouce bleu si vous voulez qu'on vide un océan pour la prochaine vidéo. Dis un océan la prochaine fois. Ouais, de fou mec, je suis trop chaud là. Et pour ça, on aura besoin de toute la communauté, donc plus on est, plus on y arrivera. C'est débile ce que je viens de dire. C'est tellement con. C'est tellement con. Pas les couilles. On est la team de déchaîner ma barre. Ceux qui compteront exactement le nombre de seaux d'eau qu'on aura versé hors de la piscine gagneront 1000 euros cash. Faut bien compter tous ceux qu'on fait et plus ceux qu'on a fait hors caméra bien entendu. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couches. Ah, putain. Oh, comment c'est trempé le sol, les gars. On en est à la moitié. Allez. On en est à 16 carreaux de profondeur. C'est parti. À ce moment-là, on a entendu la sonnerie et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Théo est revenu nous voir et nous a dit, les gars, il y a la peau.
police. Deux secondes plus tard, quatre agents de sécurité sont rentrés à l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'on faisait avec la piscine. Dans ma tête, frérot, c'était le bordel. On tentait un petit peu de parler en anglais avec eux pour comprendre qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Et il nous a dit quoi? Les quatre étages d'en dessous sont inondés par notre faute. Là, dans ma tête, c'est parti en histoire même. Je me suis imaginé en prison à Dubaï, ou payer une amende de baiser. Je m'imaginais même que l'eau avait transpercé les murs des étages en dessous et que ça avait inondé totalement les parois. Une autre personne assez haut placée de l'hôtel était arrivée par la suite et nous a dit « Ne bougez pas, on revient vous voir, vous allez devoir payer une amende en bas. » Et vous allez voir la suite. Les gars, il y a la police qui est venue, les gars, parce qu'en fait, on est au 37e étage et l'eau est descendue en bas dans tous les autres étages et ils ont inondé tout. Des tables à chicha, des gens qui étaient en train de manger en bas, ils ont pris l'eau dans la gueule. Sauf que là, on va certainement devoir payer une amende, c'est la merde. C'est chaud. On va descendre payer l'amende. Les souvenirs de baiser qu'on a fait. Il y a trois étages en dessous qui sont inondés, le 36 et le 35 et le 34e. De l'intérieur, les lits sont inondés en dessous parce qu'on a vidé la piscine. Can I show you? Yes. It was full, like, swimming pool. I'd like to just introduce because they were feeling very bad and also... Oh. Hey, you guys YouTubers? Yes. That's so cool. These guys just flooded my room in the Jeremiah Village Hotel. And this is the lifestyle YouTubers right now. Ça a inondé, en fait, leur niveau. Et en fait, il a une chaîne YouTube. Like, follow, subscribe, all of that. Blessings. J'ai envie de m'écrouler aussi, mec. On va tout expliquer comme ce qu'on va expliquer à la communauté. Okay. Récapitulons tout. On a voulu faire un challenge de vider entièrement la piscine. Le problème, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de litres d'eau. Le problème, c'est que l'eau allait quand même quelque part. Elle allait dans les étages d'en dessous. Ding dong, ding dong. What are you doing with the swimming pool? Qu'est-ce que vous faites avec la piscine? Non, t'es en mode, oh, on essaye de la vider pour un challenge. Elle va devoir payer. En mode, oh merde, on va terminer en prison. Il n'y avait pas de problème. Ouais. Il y avait une tranchée. Aller dans les trous, c'était fini. Sauf que ici, la tranchée s'arrête. Donc l'eau, là, quand ça dépassait, ça tombait en bas. Tu l'avais call. Inondation en bas, sur 5 étages. Frère. Descends en bas, j'ai dû payer 1000 AED, ce qui est l'équivalent environ de 230 euros. C'est plus cher que ce que nous on donnait aux gens. Oui, j'ai quand même voulu ensuite aller m'excuser face aux personnes. Donc on est allé au 36e étage, l'étage d'en dessous. Et le mec, il a une chaîne YouTube en bas. Pour s'excuser, les gars, allez vous abonner quand même. Ouais, les gars, allez vous abonner, les gars, pour s'excuser aux gens qui sont en dessous. On a envie de faire le meilleur contenu pour vous. Des fois, il se passe des choses, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Des fois, on termine dans des clips dans avec des meufs. Des fois, on termine dans des clips avec des meufs. Des fois, on termine en prison. Avec la sécurité, frérot. En tout cas, le dernier mot pour la fin, si vous voulez nous suivre plus, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui sera en description. Là-bas, on est plein de stories de la journée. Abonnez-vous, pouce bleu, prenez une chaîne dans la boutique pour rembourser ma balle. Je vous aime, Stream Chain, de CTO. Peace.